donc on se retrouve dans la présentation en fait du pack CBMX du coup. Donc on aura le CBMX 230. Alors je suis pas certain de tous les CBMX, hein. N'hésitez pas à me dire si par exemple il y a des CBMX que j'ai en plus, parce que c'est possible hein, que j'ai installé des CBMX en plus entre temps. Normalement on a celui-là, donc le CBMX ON 230 avec deux modèles de CRF 230F, alors, avec le modèle de 2019 et le modèle de 2020. Voilà, donc je sais pas si c'est des modèles qui vous intéresseraient, mais en tout cas voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre de modèle. Les CBMX 500, CBMX ON 500, où là dans cette catégorie on retrouvera du coup le RM 500AF, donc le de 2016, la Kawasaki KX 500AF de 2020. Donc je vous montrerai les modèles rapidement, après de toute façon voilà, je vous laisserai découvrir par vous-même. Hein. Voilà, KX 500AF, KTM 500 SX de 2020. Donc voilà, je vous montre vite fait tous les modèles, et puis voilà, après dans la suite je vous montrerai comment installer tout ça, et puis voilà, 2021 Honda CR500AF. Donc voilà, on a des modèles quand même plus récents, on a des modèles super intéressants qu'on n'a pas forcément sur le pack de base en fait, tout simplement, enfin sur le pack OM. CBMX N80S, donc normalement celui-ci fait partie aussi des modèles, donc 1980 Motocross Bike. Alors là je suis pas sûr qu'il soit dispo hein, dans le pack de CBMX, mais c'est pas très grave. CBMX Enduro, donc normalement là aussi on a des modèles qui sont assez intéressants. La Yamaha DT de 1986, là je sais pas si elle fait partie du pack, mais en tout cas si elle fait partie c'est grave cool. L'Husqvarna 2018 TE701S, donc ça fait plaisir d'avoir aussi ce modèle là. Donc on a quand même peut-être des super mottes au final. Attends juste qu'il charge. Ouais, on a quand même des super mottes dans le pack, donc ça fait plaisir. Donc voilà, pour ceux qui aiment les super mottes et le 701 Husqvarna, bah ça fait partie du pack. Donc 2020 Honda CRF 450 Rally. Donc voilà, encore un modèle super intéressant qu'on trouve pas partout. Donc voilà, je sais pas si ça fera plaisir à certains, mais ça fait plaisir. Moi je trouve en tout cas c'est vraiment plaisant d'avoir des modèles comme ça. 2020, donc le Husqvarna TE300. Donc voilà, modèle, je pense que c'est un modèle enduro. Donc voilà, super intéressant. Le 2020 KTM 250 XCW, encore un modèle normalement enduro, ça fait plaisir. 2020 KTM 450 XCFW, du coup, donc encore un modèle enduro. Et le 2021 MXF 300 RX, donc encore un modèle enduro normalement de chez MXF. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Je trouve qu'on a quand même pas mal de choses. Donc là, on va aller dans CBMX ON Junior. Je suis pas certain qu'on ait cette catégorie. Donc voilà, dites-moi en commentaire hein, s'il y a des catégories que vous avez pas. C'est peut-être normal, c'est des modèles que j'ai en plus. Ouais, normalement, cette catégorie, je pense pas que vous l'aurez. Peut-être le CRF et encore même pas. Donc voilà, dites-moi juste si vous avez ces catégories-là. Donc on va aller dans le CBMX ON MX1. Donc ça, c'est vraiment une catégorie que vous allez avoir aussi. Donc tous ces modèles là, je vais essayer de vous les présenter rapidement. On a celui-ci, c'est modèle électrique, donc le 2022 Stark Future Far Varg. Je sais pas voilà si vous connaissez, mais en tout cas voilà, il y a pas mal de modèles, Beta RX 450, Gaz Gaz. Je vais essayer de vous montrer des modèles quand même assez connus comme le YZ. Donc ça c'est un 2009, j'aurais peut-être dû prendre un plus récent, je sais pas si on en a. Mais voilà, le YZF 450, je trouve il est super intéressant. Franchement c'est super beau. On a pas mal de kits déco aussi. Je vous en ai pas parlé, mais on a pas mal de kits déco avec. Donc comme là par exemple, voilà, le Hama 08CR, pas mal de kits déco fournis avec le pack, donc c'est ça qui est super intéressant je trouve. Donc voilà, donc là je vais essayer de vous montrer quelques modèles rapidement, que le KXF de 2015. Donc KX 450F de 2015 pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, et franchement c'est vraiment vraiment pas mal, on est sur des modèles vraiment intéressants. Donc stock, mais on a aussi d'autres modèles, enfin d'autres kits déco, je vous montre assez rapidement, hein. De toute façon vous verrez par vous-même. Donc voilà, vous voyez on a quand même des super beaux kits déco, on a vraiment des choses intéressantes. Donc on va aller dans les MX1 de temps pour vous montrer aussi ce qu'on a, vous verrez de toute façon rapidement hein, ce qu'on a dans ce pack. Donc on a forcément des 250, celle-ci il me semble qu'elle est super intéressante, donc c'est un modèle de 2020, on a bien évidemment des kits déco, par exemple le Monster Energy qui est super intéressant, qu'on peut avoir directement dans le pack hein. Ça c'est vraiment stylé, c'est que quand tu installes ces modèles là, bah tu as tous ces kits déco en fait, t'as même pas besoin de les installer, tout est préinstallé. Donc voilà, donc on a le modèle de YZ 250 de 2020, mais on a aussi des modèles comme la CR 250R de 2006 par exemple, ou le KX 250 de 2006. Donc je vous les montre rapidement, on va faire un tour rapide hein, mais je vous invite vraiment à aller l'installer si ce pack vous intéresse.
MX2. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'on a dans MX2. Donc pareil, je crois que j'y étais déjà, non? Oui, je crois, je sais pas. Mais voilà, du coup on a aussi des modèles bien évidemment. Donc là on a un modèle de 2022, donc Honda CR250. Voilà, ce plaisir, je sais pas si on a des kits déco, on a aussi des kits déco dessus. Et le MX3, bon je vous présente ça rapidement, je sais pas si j'étais déjà sur ces catégories avant, mais voilà. Et on a aussi des 125 bien évidemment, comme celui-ci. On a le KX aussi de 99, ça c'est stylé, tu vois, d'avoir des modèles un peu anciens comme ça. KX de 99, il est super intéressant, je trouve incroyablement beau. Et bien évidemment, on a des kits déco, hein, comme je vous l'expliquais précédemment. Donc, pas mal de kits déco sur les modèles. On a des modèles qui sont super intéressants qu'on ne retrouve pas partout. Et puis voilà, donc on a du GazGaz, du KTM 125 SX de 2020. Je vous montre vite fait, hein, pour vous montrer un peu aussi ce que ça donne en termes d'esthétique. Hein. Franchement, on est sur des très très beaux modèles. Hein. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on n'en parle pas assez du pack de ces BMX. Mais voilà, c'est des modèles super intéressants. Donc, voilà, je vous invite vraiment à l'installer et à tester par vous-même. Et vous rendre compte que certains. Alors, il y a certains modèles qui sont super intéressants, d'autres un peu moins, forcément, que ce soit en termes de son ou autre. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse pour la suite de l'installation. Donc, pour vous montrer comment installer Avec ces ces modèles. modèles-là. Tout nouveau tuto pour une vidéo, enfin pour un tuto en fait sur le pack de CBMX. Donc le pack de CBMX c'est un gros pack, un peu comme le pack OM finalement, avec pas mal de motos comme les 250, les 350, enfin je crois qu'il n'y a pas 350, mais il y a les 300 je crois dans le pack. Enfin il faudrait regarder, hein, je vous montrerai de toute façon tout le pack dans la présentation, il y a énormément de modèles 125, il y a vraiment beaucoup de modèles, plusieurs 500, on a vraiment vraiment beaucoup de modèles dans ce pack, donc c'est un pack qui va faire quand même presque 4 Go il me semble. Donc voilà, c'est un pack très volumineux, on est sur le pack 17e définitive version. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Donc une fois installé, vous aurez ce pack là qui fait 4,6 Go. Donc c'est quand même ouais, c'est quand même conséquent parce qu'on a énormément de choses. Et donc voilà, vous allez tout simplement en fait l'ouvrir. Hein. Donc une fois installé, vous aurez un dossier qui s'appelle CBMX On Bike Pack 17e définitive version. En fait, tout simplement, vous allez l'ouvrir et dans ce pack là, vous aurez tout ça. Donc ouais, il est très conséquent. On a un sound mode aussi, donc il faudra installer tout ça. Là, tout ce qui est changelog, tout ça, normalement, t'es pas censé l'installer. Mais tu peux aussi le mettre, ce sera beaucoup plus simple de tout sélectionner, de mettre tout dedans. Et donc voilà, on a vraiment beaucoup de modes, j'essaierai de vous présenter. Donc on a le voilà, on a des modèles comme le CRF Rally, on a des modèles comme le XC, enfin tu vois, on a même des super modes et tout. On a vraiment des modèles super intéressants, des super modes. Je sais pas si c'est des super modes, mais non, pas vraiment des super modes. On a plus des modèles enduro, voilà, c'est super intéressant. On a des 500 aussi, donc 500 CR, 500 KX, 500 RM. Tu vois, on a vraiment beaucoup de modèles qu'on ne retrouve pas forcément dans le pack OEM, donc c'est super intéressant. Je vous présenterai de toute façon tous les modèles dans la présentation de cette vidéo, tout simplement. Et donc pour les installer, on va devoir du coup ouvrir le WinRAR et tout sélectionner. Voilà, vous sélectionnez tout. Et vous allez le glisser dans le dossier, donc dans les documents de votre PC, Piboso, MX Bike, Mode, Bike, et tout simplement vous allez tout sélectionner et glisser dans le dossier Bike. Donc il faut vraiment tout sélectionner à part les deux petits points tout en haut, hein, pas d'intérêt. Vous sélectionnez tout et vous avez tout simplement à clic gauche et le faire glisser dans le dossier Bike. Voilà, une fois ça fait, vous avez tout installé, enfin tout est installé, c'est fait. Donc voilà, il y a juste à regarder, hein, parce qu'il faut vraiment que vous ayez tout installé et surtout le sound mode. Donc on a aussi des CBMX 80S, donc ça c'est normalement les modes anciens, hein, c'est des modes un peu old school. Donc voilà, une fois ça fait, vous avez juste à fermer et à lancer votre jeu. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter ça, enfin la catégorie au moins, enfin les catégories en question. Il y en a pas mal, on a vraiment beaucoup de modes. Je pense que c'est pour moi, hein, c'est un mode qui pourrait contrer en fait le pack OM. C'est un mode qui est très conséquent, on a des modèles très intéressants, mais vraiment, hein, c'est des modèles qui sont vraiment super bien faits. Il y a un vrai travail qui est fait par ces personnes là, donc le CBMX, hein, qui est vraiment intéressant. Donc voilà, je vous présenterai un peu. De toute façon, je vous présenterai tout ça dans la présentation de cette vidéo. Et puis voilà, c'est à peu près tout. En vrai, c'est un modèle. Enfin, c'est vraiment intéressant d'avoir ce pack parce que ça permet d'avoir des modèles un peu différents de ce qu'on peut avoir d'habitude. Même en termes de son, enfin, il y a des choses qui ont été modifiées. Donc, on n'est pas sur les mêmes modèles que le pack OEM. On a vraiment des vrais diffs. Il y a des modèles d'années différentes, donc pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà, c'est à peu près tout. Je vais faire un petit break, je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on a dans ce pack, enfin, rapidement, hein, les catégories à choisir. Donc voilà, on aura tout plein de catégories CBMX On en fait, vous voyez juste ici. Donc ça commence à partir de CBMX On 230, on a CBMX On 500, CBMX On 80S Enduro Junior, normalement aussi fait partie du pack Enduro, je suis pas certain, enfin je suis du pack CBMX, je suis pas sûr de ça, donc faudra vérifier une fois installé, hein. MX1, MX1 de temps, MX2, MX3, donc on a vraiment vraiment pas mal de modes, hein, dans ce pack CBMX. Je vous présenterai pas toutes les catégories, hein, je vous les présenterai vraiment dans la présentation de ce mode. Voilà, c'est à peu près tout.
j'espère que ce tuto vous plaira la famille. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude et à me dire ce que vous pensez de ce pack. Parce que c'est vraiment un pack qui est super intéressant. Alors ça va être un peu compliqué pour ceux qui ont des petites connexions pour installer ce pack. Parce qu'on parle vraiment d'un pack à 4 Go quand même, presque 5 Go. Donc voilà, mais dites-moi ce que vous pensez de ce pack là. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine la famille. Prenez soin de vous. Ciao.